Autrefois, il y avait une chapelle isolée ici. Elle offrait le gîte aux voyageurs. C'était avant même que je sois là. Les murs de la ville n'étaient pas encore érigés. Aujourd'hui, on sent Whitechapel avant même de le voir. Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée enfin à The Order 8086. Donc voilà, je souhaitais faire une vidéo pour vous donner un peu mon avis sur le jeu et vous montrer par la même occasion quelques images, sans vous spoiler si possible. Non, j'ai compris. Enfin, de toute façon, si vous regardez cette vidéo, vous acceptez d'être un minimum spoilé. Donc alors, premier constat, le jeu est une énorme claque graphique. Voilà. C'est pour moi et pour beaucoup de gens de toute façon, le jeu le mieux fait de tous les temps. On se retrouve à l'hôpital. Restez sur vos gardes. Bien compris. Voilà, donc je précise que je joue après le patch 1.01 qui corrige quelques bugs mineurs et qui a été disponible depuis la sortie du jeu. Les cendres sont encore chaudes. Ouais. Petite feature sympa, on peut examiner les objets comme ça avec le joystick. On peut se faire un petit échauffement du poignet aussi si on veut. Bon, ça va, j'arrête tout de suite. Alors voilà, je vous laisse admirer les décors. C'est un peu sombre, voilà. Salut mes jolies. Salut. Alors, on monte? Donc ça, c'est notre petit pote. Lafayette. Même les pommes sont ultra réalistes, quoi. Voilà, voilà. Encore un petit échauffement. Ok. Jolie pomme, hein. Donc ça, c'est le Marquis de Lafayette. Le... Ah, ok. Je vais devoir lancer sur les gars, là. Boum. Hey. Hey. Surprise, motherfucker. Tout va bien, l'ami. Allez, faites-lui cracher ses tripes. Je continue. Ah, il pisse le sang comme un porc. Regardez-moi ça. C'est vraiment pas bon. Alors, premier... première petite critique. Qui n'en est pas vraiment une, parce que c'est un style de jeu qui veut que ce soit comme ça, et puis c'est tout. C'est qu'il y a beaucoup de QTE, beaucoup de cinématiques, donc on peut considérer ça comme un film interactif en fait. Donc j'ai eu pas mal de cinématiques jusque là, mais ça ne me dérange personnellement pas. Franchement non, il faut aimer ce type de jeu là, et c'est pas le premier jeu qu'on voit comme ça. Et si vous aimez bien, vous allez vraiment prendre une énorme claque. Et quand la justice n'est plus, le peuple doit se soulever. Voilà, donc en 2 minutes de jeu, deuxième cinématique. Et reconquérir ses droits. Ils vous disent que la situation est satisfaisante. Ils disent que l'Angleterre connaît le progrès. Que vous a apporté le progrès au juste? Des taudis sans nom, où la misère règne en maître dans chaque recoin. De longues journées à l'usine, à travailler... pour une misère, pendant que vos maîtres vous disent d'être reconnaissants pour ces quelques sous. On est repérés. Des enfants travaillant sans relâche dans l'enfer des mines de charbon, pendant que les manias de l'industrie soupent dans des bols en argent. Voilà, on a le petit objectif là. Est-ce qu'on peut passer? Je le jure, c'est pas. Alors donc vous pouvez remarquer aussi qu'il n'y a pas de différence entre cinématique et les phases de gameplay. Hein. Voilà, là c'est une cinématique. Il n'y a aucune différence. QTE, QTE, QTE. Bravo monsieur. Je ne voulais pas salir tes mains d'aristocrate. Bonjour. Ça va. Il n'y a rien à craindre. Comment j'aurais pu savoir que c'était l'éventreur?
C'était un gars ordinaire. Il a encore tué la nuit dernière. Je savais pas. Laissez-la, monsieur. Je savais pas. Ne vous en faites pas. Vous êtes en sécurité. Donc voilà, donc aucune différence entre les cinématiques et les phases de gameplay. On devrait passer cette porte. D'accord. Jeu ultra linéaire, vous n'avez pas énormément de liberté. Alors comment ça marche? Accrochez Stamford, appuyez sur le pour guider le cylindre pneumatique et découvrir. Tout en maintenant, faites pivoter jusqu'à ce que la ligne. Donc on est à Londres, c'est en 1886, comme son nom l'indique. Et nous avons affaire à une technologie un peu spéciale ramenée par Nikola Tesla. Donc vous avez vu la référence historique. Oh, on a renversé des bouteilles. Les armes sont interdites dans l'établissement. Vous voulez rester? Laissez-les là. Bien sûr, monsieur. Pour tout vous dire, nous cherchions justement le vestiaire. Donnez ça. Et amusez-vous bien. Calmez-vous, monsieur. Une rapide reconnaissance du périmètre semble impérative. Ils ont un énorme couteau dans le dos, mais ils ne le donnent pas, ça. C'est pas une arme, en fait, hein. Y'a aucun souci avec ça. C'est pas un problème. On va y aller tout en douceur. Zelda. Lol. Encore un easter egg, ça. Tu veux monter, mon chou? Une autre fois. Tu verras des choses que t'as jamais vues. Ah bah d'accord alors. Oula, Darwin. Une petite lettre de Darwin. Vous savez ce qu'on dit sur les grands nez? Ça, c'est les pieds. Marquis, pas le temps de s'amuser. Marquis est un grand dragueur. Trouvez une issue, vite. J'ai ce qu'il nous faut, monsieur. Si l'une de vous deux accepte de fouiller ma poche... Donne-moi ça. Cela suffit-il, monsieur? Ça oui, amplement. Allons à l'étage, je vous prie. Ah bah on fait un peu d'action. T'es prêt, oh, mon des chou? Belles bougies. Crois-moi, tu le regretteras pas. Ça va. Bon bah voilà, j'ai choisi mon moment pour faire la vidéo. Excellent. Souvent ici. Par ici. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous trompez de chambre. Où est parti le français? Il est là. Avec son ami. Hé hey! Sortez d'ici. Ah. Bonjour. Oh non. Énorme. Oh mais purée, qu'est-ce que je fais? Toutes mes excuses, madame. Trouver un moyen de rejoindre le pit. Excellent. Alors, monsieur, qu'allons-nous faire?
En général, quand ils vous disent, quand ils vous disent trouver un moyen de, vous ne tardez pas trop à le trouver parce que, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est un jeu assez linéaire, il n'y a pas de, de trucs possibles pour aller sur les côtés, etc. Le jeu vous guide automatiquement vers l'objectif en général, hein, donc pas trop trop moyen de se perdre. Enfin, je crois. Il y a des intrus. Aux armes, en avant. Lafayette. Chut. Il se ramène l'autre. On dirait qu'on a réveillé le nez. De Nast. Ah, j'en profite pour vous montrer une petite vue. Style. Le gameplay est sympa, il est intuitif. Ça, j'aime bien. On doit pas chercher pendant des heures. J'opérerai avec diligence. Yep, yep, yep. Non, pas du tout. Ça, ça veut dire qu'il va y avoir des gros méchants. Des chevaliers. T'es sûr que c'est pas l'inverse, tu sais. Rebelle la tête. C'est bon. Les toits ne sont peut-être pas la meilleure option, monsieur. Oh. Tu as sans doute raison. Il nous faut un autre accès à l'hôpital. J'ai trouvé une issue. Vous avez déjà vu, on ne peut pas aller à gauche. Quoi? Mais... Ça va gunfighter, je le sens. Trop facile. Ouais, carrément. Je crois que nous ne sommes pas les bienvenus. Restons vigilants. Pas question de recréer de l'agitation. Ça a pas quoi. Regardez, monsieur. Dieu n'a pas sauvé cette reine-là. Ça glitte. Vite! Oh! Voilà. La santé se régénère automatiquement, on n'a pas de jauge. C'est... Oh là là.
pas très stable, hein. Ah ouais, mais tu me fais rire, moi, à chaque fois qu'il tire. Merde, je peux pas bouger. Restez baissé. Hop, on va essayer ça un peu. Dieu. Oh, violent. Lafayette, dans la rue. Rebelle neutralisé. Là. Oh. Sniper évincé. Alors je sais bien qu'il y a un trophée pour une élimination par arme du jeu. Donc je vais essayer de la faire. En avant. Le faire. Je crois. Il faut que je recharge. Il faut continuer. Je pense que des renforts rebelles sont en route. Donc ça, ce sont les rebelles, hein, les petits ennemis de l'ordre. Des fouteurs de bordel. Quoi? Ils ont bloqué le passage. Ah bah, par là. Par l'intérieur du bâtiment. Ah bah ouais, sans blague. Monsieur, un tireur sort du bâtiment. Deux heures après l'autre. Alors... Pas vous bouger. Restez baissé, monsieur. Je vais vous couvrir. Je lance une grenade. Même les effets de feu ou de fumée sont extrêmement bien faits. Enfin, bref, je surkiffe. Hello. C'est un peu une arme de merde aussi. Enfin... Le tireur est à terre. Ah merde, c'est trop loin. Hey, reviens ici. Ennemi à terre. Pas stable pour aussi cette arme. Merde, il est où ? Ah. Putain, ils sont combien ? Je
Et Lafayette, il est où là? Est-ce qu'il m'aide au moins? Je sais pas où il s'est cassé, mais... Ah, oh, oh, oh! Il est resté calé. Tiens. Oh, zéro dégâts. Merde, je peux pas bouger. Monsieur, je vais les contenir au niveau du sol. Entendu, Marquis. Oh, ça c'est bon, ça. Rebelle la terre. Je ne sais pas ce que je vais te faire. Bon, lui là. C'est bien, une balle suffit. Oh 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 oh. Où est-ce qu'il est le petit là? Mais arrête! Voilà. Continuez de les anéantir. Attention à quoi? Là, il est pour toi! Hop! Et voilà. Nom de Dieu! Je vais pas te louper, mon gars! Ah, c'est pas vrai! Évitons les rues tout en restant mobile. Affirmatif. Bon, bah on va aller par là, du coup. Vous me donnez un coup de main avec ce wagon? Les munitions là. Allez, je vais t'aider, mon petit. D'abord, je suis le plus vieux. Non. Non, j'ai déjà essayé cette arme. Où est mon autre arme? Oh, j'ai perdu l'autre arme. Coupure. Ouah. Perceval. Perceval, tu m'entends? C'est inutile, monsieur. Les bâtiments bloquent le signal. Les joies du progrès. Passe ta longue vue. J'aperçois la cible. L'hôpital est à l'ouest. Voyez-vous nos camarades? Là! Ah ouais? Sûrement eux.
On s'invite à la soirée? Appelons des amis, d'accord? Commandement ici Galahad. Que quiconque se trouvant près de Whitechapel me réponde. Commandement ici Galahad. Allez, monsieur. M'entendez-vous? Nous sommes en infraction. Le grand chancelier sera furieux. Lafayette n'apprécie pas les cours martiales. On s'en inquiétera plus tard. Messire Galahad, ici Sentinelle 5. Nous sommes à 3 lieues au nord-est de Whitechapel. Quelles sont vos directives? Sentinelle 5, ici Galahad. Support aérien en attente requis. Bien reçu. Nous émettons des signaux bleus et rouges à 1 seconde d'intervalle. Demandons confirmation visuelle pour modification de destination. Dirigeable Sentinelle 5. Sir Galahad, ici Sentinelle 5. Confirmation visuelle de position. Modification de 2-2-4 degrés. Survol d'attente au-dessus de Whitechapel dans 8 minutes. Reçu, Sentinelle 5. J'attendrai les autres sur place. Allons-y. Ah, cette bonne odeur pestilentielle. Tes bas-fonds parisiens sentent sûrement meilleurs. Quel que soit le lieu, la merde sent toujours la merde. Allez. Après vous. Oh putain, Lafayette! Ne vous en faites pas, monsieur. Je vais bien. C'est pour rire, je ne m'en fais pas. Ah, ok. Oh oui, le Sackboy dont on parle tout le temps. Bon bah voilà les gars, c'est sur ce Sackboy qu'on va s'arrêter. J'espère que ça vous aura plu et que vous trouvez le jeu très beau et plaisant. Donc voilà, si vous aimez les jeux comme ça ultra narratifs, pas forcément longs mais avec une histoire qui accroche, je vous le conseille franchement. Mais si vous voulez du gameplay et de la longueur, ne l'achetez pas. Voilà, c'est le seul gros conseil que je peux vous donner. Moi jusque là je l'aime bien et de toute façon il y a notre test sur le site foruergamers.com que vous pouvez lire. Et voilà, à la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao !